Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 194 de Stage One. Et comme vous le voyez, on change un peu le décor aujourd'hui. On va faire quelque chose d'assez récent, on va changer un peu la tactique. On va plus faire que du jeu PC, on va faire aussi du jeu un peu rétro. Donc là, pour le coup, on va jouer à Aladdin sur Mega Drive. Donc vous voyez, c'est parti, Aladdin, donc il est en semi-français, on va dire. Donc press start, c'est de l'anglais, mais en fait, on comprend, en fait. C'est pour ça que j'appelle ça du semi-français. Donc c'est parti, il y a une petite histoire. Alors là c'est les différents items qu'on va trouver dans le jeu. Donc les bonus génie, le bonus de Xou là. C'est quoi ça? Les jasmine, les restart points, turn up, les pommes, les cœurs, la vie. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant. On va suivre l'histoire et on va jouer. Et donc c'est parti, vous voici, on contrôle Aladdin, donc on peut sauter, on peut hop, récupérer des objets, des pommes, on peut taper à l'épée, hop, donc youp. Donc je vous mentirai pas que j'ai déjà joué à ces jeux, hein, évidemment, donc c'est vraiment pour vous les présenter, et pour que vous voyez exactement à quoi ça ressemble. Donc là c'était des jeteurs de lames, qui jonglent avec des lames et qui nous les envoient sur la tronche. On a le dromadaire qui nous jette, qui crache sur les gens, on va dire. Hop, on monte à la corde, on récupère des pommes, les pommes que l'on peut lancer sur les ennemis, comme vous avez vu. On va pouvoir leur faire du dégât. Alors là, c'est les petites lampes, regardez, attention, lui, il me lance dessus. Voilà, en sautant sur la petite lampe, ça fait une sorte de petite explosion qui tue mon ennemi, en fait. Hop là, donc lui, il va nous embêter aussi. Hop. On préfère lui jeter un projectile pour éviter de prendre des coups. Vous voyez au niveau des fenêtres aussi qu'il y a des ennemis qui nous lancent des vases. Les pots de fleurs, alors là hop, j'ai récupéré un peu de vie. La vie c'est très précieux, là on a des diamants que j'ai récupérés, des diamants qui vont nous permettre plus tard de faire des achats. Des achats au marchand qu'on va croiser, vous verrez, on va en croiser un. Et avec ce marchand en fait, alors là voilà, point de passage. Avec ce marchand on chope de la vie, on peut acheter toutes sortes de choses avec nos diamants. Donc là, vous voyez, j'ai eu un point de passage, c'est-à-dire que si je meurs, je reviendrai à ce point ici. J'espère ne pas mourir. Allez, crève toi aussi. Donc la vie se perd très très facilement. Donc ce sera normal si je perds une fois durant ce niveau ou le niveau d'après. Voilà, faut faire attention aux mecs qui jettent. En général, il faut juste aller vite. Mais comme tout piège, faut pas aller trop vite non plus. Sinon, on se prend des ennemis qu'on voit pas arriver. Oh là là, lui par contre, il m'a jeté un truc. Il m'a fait du bobo. Mais c'est bon pour l'instant par rapport au... Au niveau actuel, c'est plutôt sympa. Hop, hop, hop. Hop, alors lui, oh l'enfoiré. On lui jette des pommes, mais il faut vraiment être à distance. Oui, vous avez vu que les pommes qui croisent les couteaux sont coupées en tranches. Donc le détail est bien fait, mais c'est toujours marrant de le voir. Ah, il crève. C'est toujours marrant de le voir. Alors ma vie est vraiment basse. Un point de passage, voilà, merveilleux. Comme ça me permet de pas trop revenir en arrière. De la vie. Merveilleux, c'est ce qu'il me fallait. Hop, j'en profite. Alors ça aussi c'est un ennemi bizarre, il a pas vraiment d'armes, mais s'il arrive trop vers vous, bah, il vous met des coups qui font mal. Donc c'est une sorte de petit espion en fait, qui sont planqués. Lui par contre il faut que j'aille le taper directement, parce que sinon, voilà.
Alors j'ai gagné des points grâce à mon génie, mais ma vie clignote parce que c'est pas la joie. Hop, le niveau de toute façon va bientôt toucher à sa fin. C'est des niveaux qui sont assez courts en soi, hein, ça dure pas 3 ans. Hop là, j'ai récupéré mon morceau de génie. Lui j'aimerais bien le tuer. Voilà, m'embête plus. Lui on lui jette des pommes aussi, on va pas s'embêter. Ouh, avec son pantalon qui descend, vous voyez. C'est vraiment un petit univers qui est très très sympa à voir. Alors hop, Apu. Donc ça veut dire que j'aurai le petit bonus. À la fin du niveau, je vais avoir un bonus Apu. On va voir ce que c'est après. Alors voilà, ça c'est un vendeur. Regardez, il sort son stand. Et je peux choisir d'acheter soit une vie, soit... Je sais pas ce que c'est en fait. Mais c'est pas grave. Hop. Bon, moi j'ai acheté une vie, j'ai dépensé un peu de diamants, mais bon, ça sert à ça. Hop, lui aussi, on le fait crever. Et le niveau est terminé. Level complete. Il y aura une suite de l'histoire. Ah non, il va y avoir le niveau Apu, je crois. Alors là, les bonus. Ah bah j'ai perdu direct. Le bonus, en fait, vous appuyez sur la touche et ce que vous chopez, ça, vous le gagnez en fait. Jusqu'à que vous tombiez sur lose. Et sinon, vous recommencez infiniment. Donc là, bonus level avec Apu, le singe de Aladdin. Voilà, Abu in Agrab. Agraba. Je sais plus ce que ça veut dire. C'est la traduction de... Ah, l'univers Aladdin, je sais plus. Ah bon, c'est pas grave. Allez, notation. Lui, le but avec Apu, c'est d'éviter les pots de fleurs qui tombent, en fait. Et de récupérer surtout, oh là, surtout les joyaux qui vont tomber. Regardez, hop, un joyau. Donc là, ça m'en fait 2. Hop, 3 joyaux. Ah, voilà, 4 joyaux. Ah là là là, voilà, c'est bon. 5 joyaux, voilà, j'en ai récupéré 4 et j'ai perdu. Nice try. Bel essai. Pour ceux qui voudraient la traduction. Voilà, chargement, et d'ailleurs peut-être un morceau d'histoire. Et voilà, et pour les fans, alors pour ce deuxième niveau qui se passe dans le désert, je vais vous laisser le gameplay. C'est parti! Alors, après avoir vu le joueur du grenier, il avait fait un truc, je crois, ici, on pouvait gagner une vie. Ah putain, en forêt d'ennemis, on pouvait gagner une vie, justement, avec le petit chapeau de Mickey, là, en se mettant en dessous, mais je sais pas quelle action il fallait faire, justement. Ah, je sais pas. Mais ah, bon, mais c'est pas grave. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'il fallait faire exactement, fallait que je cherche sur Internet. Mais je pourrais pas vous montrer, mais je sais qu'on peut gagner quelque chose avec ce petit chapeau de Mickey, en se mettant en dessous. Normalement, c'est une vie ou quelque chose comme ça. Voilà, allez, on continue. Thank you.
Et donc voilà, le deuxième niveau est terminé. Alors, on va essayer de retenter notre chance. Allez. Maintenant. Ah, je sais pas, je me tâte. Ah non, voilà. Je voulais laisser, je me suis dit, c'est pas le bon moment, c'est pas le moment où je voudrais, et non. Et voilà, après cette petite page d'histoire, on va s'arrêter là. Donc ce sera tout pour Aladdin sur Mega Drive et on se retrouve très bientôt pour d'autres jeux Mega Drive. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.